Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. She messed with the temperature. Hey yo tout le monde, c'est Royal, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo assez spéciale car on se retrouve pour. On va un peu parler. On va un peu parler ensemble, vous et moi. D'abord, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à lâcher un gros like, à commenter et surtout à partager la vidéo. Et aujourd'hui, on va un peu parler de tout et de rien en fait à la fois. On va un peu parler de la chaîne déjà, mon avancement sur la chaîne. Je vous parlerai ensuite qu'est-ce qu'il y aura, qu'est-ce qui va s'arrêter, qu'est-ce qu'il y aura de nouveau, qu'est-ce qui va se passer sur ma chaîne, etc. Et ensuite, je vous parlera un peu des informations diverses, etc. Enfin bref, déjà on va commencer. Qu'est-ce qui va se passer sur ma chaîne? Donc déjà... je vais bientôt faire un peu plus de vidéos, mais vraiment il y aura beaucoup plus de live et beaucoup plus de vidéos par jour parce que je vais bientôt retourner chez mon beau-père, enfin retourner chez moi si vous préférez. Je vais bientôt sortir de foyer, donc voilà. Donc il y aura un peu plus de vidéos, plus de live, mais pas avant le 6 juillet en fait. Donc le 6 juillet je retourne chez mon beau-père, mais le week-end du 7 au 8, vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8, je ne ferai pas de live ni de vidéo. Pareil pour peut-être pour vendredi prochain, vendredi 6. Là, je ferai un très gros live parce que ce sera mon arrivée. Je serai enfin sorti de foyer. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi un foyer en gros? C'est en gros un foyer. C'est assez compliqué à expliquer. C'est un peu comme un internat, mais c'est un peu plus complexe et plus compliqué. Mais croyez-moi, on s'y habitue pas. Si vous me posez la question, on s'y habitue pas. En gros, là où je suis, c'est un foyer d'enfance, et le foyer de l'enfance a pour mission d'accueillir tout mineur en difficulté ou en danger confié par sa famille ou par mesure judiciaire au service de l'aide sociale de l'enfance, c'est-à-dire par exemple par les gendarmes ou par la juge ou par une juge des enfants ou enfin bref, des affaires familiales. Donc voilà, pour dire c'est quoi vite fait, c'est quoi pour si vous saviez pas c'était quoi. Un foyer, enfin bref. Ensuite, par contre, sur ma chaîne, va bientôt, préparez-vous. Déjà, je sais pas sincèrement. Je suis sincèrement désolé. Je vais vous mettre un sondage quand même en haut. Je vais vous mettre plusieurs sondages, mais là, je vais déjà vous mettre le premier sondage. Je vais sûrement arrêter ma série Virus Z. J'ai sorti le premier épisode, mais comme je suis tout seul, que j'ai pas forcément énormément de temps, etc., je sais pas si je vais pas l'arrêter. Je vais faire le sondage. Dites-moi si vous voulez que je la, si vous voulez que je le continue ou que je l'arrête. Enfin bref. Donc il va y avoir bientôt un très gros court métrage que je vais faire aussi avec en compagnie de certains amis à moi. Il y aura un film qui sortira fin 2018, début 2019, que j'avais parlé sur le live, que je mettrai le lien dans la description si vous voulez regarder la rediffusion. On va un peu parler à propos de ma chaîne, mon avancement sur la chaîne. Déjà, je vous dis un grand merci parce que, rappelez-vous, j'avais fait une vidéo, merci d'ailleurs que... Je vous conseille d'aller voir hein, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Pareil, elle sera dans le lien de la chaîne. Dans le lien de la description en bas. La vidéo, c'est les 286 abonnés que j'avais eu. Entre temps, j'ai passé le cap des 300 abonnés. J'en suis à 317. Et sincèrement, ben, au plus profond de mon cœur, comme je l'avais déjà dit, je vous en remercie. Car c'est grâce à vous que la chaîne avance. C'est grâce à vous que.
C'est grâce à vous que tout ça avance en fait, que ça continue, que ça avance, que ça perdure. Ça perdure. Je sais pas comment. Ça perdure, voilà. C'est grâce à vous et je vous en remercie car sans vous, la chaîne n'avancerait pas et j'en serais au point mort. C'est grâce à vous, c'est grâce à vous tous. Donc je vous dis merci, nous sommes déjà à 317 abonnés. Je vais pas vous le cacher que quand j'ai commencé ma chaîne en 2015, j'étais très pessimiste parce que je pensais que j'aurais pas de. Je pensais pas que j'aurais autant d'abonnés, hein, je vais pas vous le cacher. Après, comme j'ai dit, moi. Pardon, désolé. C'est quand même 2 h du matin et je fais cette vidéo, enfin bref. Je vais pas vous le cacher que je pensais pas. Et puis, comme je l'ai toujours dit, moi je m'en fous, sincèrement, je m'en fous du nombre d'abonnés. Je peux avoir 1 million, 1 milliard, 2 milliards, 6 milliards d'abonnés. Je m'en fous, sincèrement. C'est. Le nombre d'abonnés, ça m'importe peu. Le nombre de likes aussi, le nombre de vues. Tant que ça vous plaît ce que je fais, c'est ce qui m'importe le plus. Moi, je vous fais partager ma passion. Je vous fais partager la passion de mes amis, ma passion des jeux vidéo, du montage aussi. De tout. Et c'est ça que j'aime, en fait, dans le gaming et sur YouTube, c'est ça que j'aime. Et vous me le montrez, hein, vous me le montrez que vous aimez ça aussi. En étant actif, en mettant des likes, même si je vous ai dit que ça m'importe peu, hein. Mais ça fait toujours plaisir de quand vous mettez un like parce que je me dis que vous aimez ça et que il n'y aura pas de problème. Mais ce que je veux dire, c'est que derrière, sans vous, la chaîne n'avancerait pas, je serais encore au point mort. Je me rappelle des débuts sur YouTube, c'était très compliqué pour moi parce que. Je me faisais énormément insulter, etc. Et pourtant, comme on dit, j'ai jamais abandonné. Et oui, les gens, n'abandonnez jamais. Même si vous avez une idée en tête, croyez-moi, n'abandonnez jamais. Allez, ne foncez jamais tête baissée. Relevez la tête et allez-y. Croyez, croyez-en. Croyez à vous, croyez-en vous. Pardon. Croyez à vous-même. Croyez que vous êtes capable de faire ça. Croyez à tout ça. Et peut-être que derrière, vous aurez une chance de réussir. Croyez en vous-même. Perdurez, voilà plutôt. Allez-y, combattez. Que ce soit au collège, que ce soit dans les jeux vidéo, comme la réalité. Hein, comme dans la réalité. Regardez, moi j'ai des jeux, même si beaucoup s'en fout, hein. Je vais pas vous le cacher que j'ai énormément de mode dog note de merde. Vous avez vu, dans une semaine je vais avoir mon brevet. Croyez-moi que j'ai vraiment peu de chances de l'avoir. Et pourtant, qu'est-ce que je fais? Je révise. Et c'est pas mon truc de réviser, je déteste ça. Enfin bref, ce que je veux dire, c'est que regardez, on peut y arriver avec. On peut arriver à tout dans la vie. Il suffit juste de le vouloir. Avec de la volonté, on arrive à tout. Croyez-moi. Regardez. Un an que je suis resté en foyer. Un an que je me suis battu pour essayer de retourner chez moi. Et vous avez vu, dans 2 semaines, je suis enfin chez moi. À vie. Je serai enfin chez moi à vie jusqu'à mes 18 ans, jusqu'à ce que je parte dans un appartement. Pourquoi? Parce que je me suis battu et j'ai pas baissé la tête. Je me suis battu au maximum. Vous avez vu, dans la vie, tout est possible. Et c'est ça qui fait l'humain. C'est que même si c'est le truc le plus compliqué, croyez-moi, on arrive à tout dans la vie. Tout a un but. Tout a une question. Mais tout a une réponse derrière. Croyez-moi. Enfin bref, désolé, hein, c'est un peu émouvant ce que je dis. Et c'est malheureusement la réalité aussi. Maintenant, bah ouais, je vous remercie. En fait, je pourrais jamais autant vous remercier que je. Je sais même plus quoi vous dire en fait, sincèrement c'est. Je sais que c'est peu 317 abonnés, mais croyez-moi. C'est quand même assez. Sincèrement, c'est quand même assez. Maintenant, je vais vous parler d'une chose par contre qui me tient énormément à cœur à propos de ma chaîne YouTube, de deux vidéos que j'avais faites. Sur Minecraft d'ailleurs, c'est les The Comedy Cube. Je voulais vous parler de ça en fait parce que j'ai reçu
Bon, il y a eu des commentaires positifs, mais j'ai aussi reçu énormément de commentaires négatifs, des insultes, des plagiats, etc. Mais sincèrement, personnellement, ok, je l'avoue, c'est du plagiat. Ça, je vous l'enlèverai jamais de la bouche. Vous avez raison, c'est du plagiat. Mais c'est du plagiat qui, derrière, a pour but de continuer une série que j'ai toujours adorée. De continuer deux légendes qui ont arrêté cette série. Ça va bientôt faire 1 an et demi ou 2 ans. C'est grâce à un peu à eux que cette série y était. Après, je peux dire merci à énormément de youtubeurs. Sincèrement, je peux dire merci à Flyzer qui fait énormément de courts-métrages. Je peux remercier FRTC aussi qui fait pareil beaucoup de courts-métrages. Je peux remercier énormément de youtubeurs, sincèrement. Emeraude, etc. Sans eux, sincèrement, il y a aussi Fanta et Bob. Fanta qui The Fantasio974 qui a malheureusement arrêté sa chaîne. Mais il a raison. Il a raison. Il a raison d'arrêter sa chaîne. Il est sur YouTube depuis 2007. C'est grâce à lui que j'ai connu les bases de YouTube, de Minecraft. C'est grâce à lui que j'ai tout appris. Et je lui ai droit à une fière chandelle, sincèrement. Je sais qu'ils verront pas ces vidéos. Pareil, je veux remercier aussi Porto Aigueuse. Porto Aigueuse Production, merci à eux. Car grâce à eux, j'ai connu c'était quoi la joie en fait de rire. La joie de rire dans le sens où. Grâce à eux, j'ai connu The Comedy Cube. Grâce à eux, c'est eux qui ont sorti ça, ça c'est sûr. Et j'ai toujours aimé ça. Ça me fait rire. Et je peux remercier aussi. Il y a FRTC. Sincèrement, je le remercie aussi car il fait beaucoup de courts-métrages qui sont tristes. Il y a beaucoup de courts-métrages qui sont tristes. Je peux aussi remercier Fuse qui est plus dans la rigolade. Je sais que tous les noms de youtubeurs que je dis là, personne ne re... tous les youtubeurs que je dis là, il n'y en a aucun qui regardera la vidéo, mais sincèrement, je préfère que vous l'entendiez par vous-même. Je remercie. Et il y a un groupe de youtubeurs par contre là. Je leur dois une très grosse chandelle et je dois leur dire merci. Ça par contre, ça me tient vraiment à cœur. Je sais qu'ils la verront jamais, mais voilà. C'est un groupe en particulier. Je dois leur dire merci car grâce à eux, ça me montre la rigolade, ça me montre tout. Je dois remercier Blackbird, Ganguinou, Boosters, Studio Coco, Nico Bichoco, Gizmo, Wassim aussi. Merci, sincèrement. Merci. Car sans vous, j'aurais pas découvert tout ça. Et c'est ça qui importe dans tout ça. Enfin bref, la fin était très émouvante. Bon, comme je vous ai dit, pour que la chaîne continue, même si ça m'importe peu, lâchez quand même un like pour montrer que vous êtes là. N'hésitez pas à aller dans les sondages en haut à droite, tout en haut à droite. N'hésitez pas à aller dans les sondages et me dire ce que vous en pensez. Je me rappelle même plus en fait. Oui, si. Ah non, je me rappelle plus. Enfin bref, je vous le marquerai le sondage parce que je me rappelle plus du tout, je suis désolé. Enfin bref, bon, allez, je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Commenter, partager, liker, faire tout ce qui va. Faites tourner cette vidéo et voilà. Bon, allez. Peace tout le monde. Peace and love.